Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je suis apprécié avec un nouveau jeu. Qui veut gagner des génies? Tout de suite, accueillons les candidats. Merci d'accueillir Pierrick. Bonjour Jean-Pierre. Et bonjour Pierrick. Comment vous allez? Julien. Ah. Michel. Et où? Ah, Michel. Ça va? Oui, vous allez-vous? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Louis. Comment allez-vous? Allez, alors voici les buzzers qui serviront à buzzer. Question numéro 1. De quelle couleur est la prime Hochstein? Réponse A, verte et rouge. Réponse B, blanche et noire. Réponse C, rose et blanche. Réponse D, orange et jaune. Julien, vous avez la main. Vert et rouge. Eh ben non. Ulrich. Rose et blanche. Eh ben non. Mais il m'interroge jamais, lui. Eh ben allez-y, Pierrick, c'est à vous. Ah, non, plus que vous. Mais moi, je vous dis qu'elle est noire et blanche. Vous avez juste. Pierrick prend la tête. Merci. Tout de suite, la deuxième question. Qu'est-ce qu'une génisse? Un bovin qui a fait un veau. Un bovin qui vient de naître. Ou un bovin qui n'a pas encore mis bas. Oui, Pierre. Un bovin qui est... Eh ben non. Ulrich. Un bovin qui n'a pas encore mis bas. Oui, Ulrich. Réponse 1. Réponse 2. Ok. Question numéro 3. D'où vient le kart training? Réponse A, France. Réponse B, Canada. Réponse C, Royaume-Uni. Réponse D, Espagne. Ben moi je suis supporter de la France et donc j'ai choisi la France. Je sais que vous êtes supporter de la France, mais c'est faux. Attention Julien, pour prendre un point comme les autres. Ben je dirais le Canada. Vous êtes sûr? Pas très sûr, vous allez me dire. Et ben c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Plus un point. Attention, il reste trois questions. Question numéro 4. C'est quoi le kart training? Attention. C'est un mode débile, réponse A. Un mode de dressage, réponse B. Un mode qui sert à perdre du temps, réponse C. Pierrick, vous avez la main. Un mode débile, là, je dirais. Eh ben, je dirais que c'est faux. Allez, on débat. Oui. Oui. Un mode de dressage. Est-ce que c'est votre dernier coup? C'est mon dernier coup d'arrivée. La réponse est... Réponse B! Ouais, ouais, ouais. Bravo! Julien prend la tête alors qu'il avait 0 points. Question numéro 5. Quel est le matériel indispensable pour le kart training? Réponse A. Sangle plus bâton. Réponse B. Granulé plus licol. Et réponse C. Matériel de chasse. Pierrick, vous avez hésité. Ben oui, j'hésite entre l'A et la B. Entre l'A et la C. Dites-moi. Tirez la chasse, hein, mais. Vous aimez la chasse? Oh oui. Eh ben c'est quand même faux. Ouais. Oui. Licol plus granulé. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Vous avez déjà entendu ça? Non. Eh ben c'est quand même juste. Bravo. Oui. Question numéro 6. Que fait-on pendant un entraînement de kart training? A. Faire sauter des obstacles. B. Faire marcher, reculer et donner le pied. C. Faire courir. Julien peut gagner tout de suite. Julien, si votre réponse est juste, vous gagnez la génisse. Est-ce que vous vous rendez compte de chance que vous avez? Ouais, mais c'est pas juste. Mais vous aurez juste. Faire de l'obstacle. Eh ben c'est faux. Voilà, c'est juste. Pierrick. Marche avant, marche arrière et donnez le pied! Attention, pour le deuxième point, Pierrick. Eh ben, c'est juste! Merci, Jean-Pierre!
Bravo, vous êtes tous à égalité. Alors, une question ultime pour vous départager. Devinez le poids de la génisse à gagner. Pour cette question, il n'y aura pas de proposition. Vous pouvez venir la toucher pour regarder le poids et vous me donnerez la réponse après. Non, c'est pas bien pour nous. Hein, mais... Ça pèse, c'est parce qu'elle est jeune. Mais oui, comme moi. Je ne vous le dirai pas. Ah bon? C'est un indice. C'est pas pratiquement certain. Venez voir. Allez, bientôt. Bonjour, Eric. 350 kilos. T'as entendu? Pourquoi tu fais 350 kilos? Je vous le dirai après. Toi? J'ai 452. C'est sûr? Ah oui, certain. Eh ben oui. Et toi? 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Pierre-Éric qui gagne. Oh, elle faisait 410 kilos. Vous pouvez venir chercher votre génisse et repartir avec. Allez, au revoir Pierre-Éric. We'll be right back.